Bonjour les amis, nous sommes sur système.io. Si vous ne voyez pas, par exemple ici, le menu, il y a un menu qui est caché, normalement vous l'avez ici, alors qu'il est développé là, c'est-à-dire nous l'avons ici. Il y a deux manières, beaucoup de formateurs ne comprennent pas. Pourquoi? Quand on est en plein écran, le menu il vient ici. Mais comme j'ai rétréci mon écran pour faire une capture d'image, automatiquement le menu s'est présenté verticalement. Ok. Alors, avant de commencer, je vais faire un petit laïus comme ça pour que vous puissiez un petit speech pour que comme ça vous pouvez me suivre plus facilement. System.io, c'est un outil qui est très simplifié par rapport à ses semblables. Et c'est un outil qui est tout en un, c'est-à-dire que quand on se met dedans, on n'en sort pas. C'est-à-dire que nous avons notre blog, nous avons des rubriques pour envoyer des emails, pour attraper des emails, pour envoyer des PDF, des cadeaux et tout ça pour entrer les prospects dans notre système de commercialisation petit à petit jusqu'à ce qu'ils se décident à acheter. Il y a la livraison de la marchandise, il y a aussi la livraison de la facture et puis la relance dans le cas où on veut lancer autre chose. Et il y a une organisation extrêmement complexe. System.io, c'est un truc qui a complètement, il n'est pas le seul, qui a complètement chamboulé la face du monde. Pourquoi? Parce que dans le temps, il y a quelques années, quand on veut par exemple installer, créer une entreprise, on va chercher un local, avoir beaucoup d'argent, d'investissement, de bureaux, d'ordinateurs, de personnel, il y a énormément, impossible. Et puis, quand on a un magasin, il faut avoir un pignon sur rue, il faut, vous connaissez la musique, ok? Avec le web marketing, ça a complètement changé. C'est-à-dire que maintenant, sa société, on peut la constituer dans sa cuisine, imaginez. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous avez tout, vous avez absolument tout. Bien entendu, vous allez faire votre travail pour le vendre, vous allez vous en occuper. Mais la société est là, partout où vous êtes, que ce soit chez vous, que ce soit ailleurs, dans la campagne, à condition que le réseau y soit. Il faut seulement avoir un internet, un ordinateur, et puis un compte, enfin des comptes, un peu partout sur tous les prestataires, enfin tous les prestataires de services et tout ça. Voyez ce que je veux dire. Bon, il y a même un mentor qui parle dans son livre de tout son empire dans son sac à dos. Voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui est millionnaire et qui se balade avec un sac à dos, bien sûr, dans son sac à dos et son ordinateur. Et puis c'est tout. Il voyage partout, ben, il n'a pas de siège. Le siège, c'est lui. C'est là où il est, qu'il soit dans les toilettes, qu'il soit dans un avion, qu'il soit partout. La société est là. Sa société est là. Et le système.io, il rend service énormément parce que c'est toute la structure, l'infrastructure d'une société. Si vous avez par exemple vous avez besoin de créer une entreprise, vous êtes obligé de recruter, il y a énormément de tralala, donc beaucoup de choses. Avec le système actuel, moderne, technologique, vous n'avez plus besoin de ça. Parce que le recrutement, c'est par exemple tout ce que vous donne System.io dans son cas d'outil d'organisation extrême. Voyez, vous aurez vos coursiers dans System.io, vous aurez votre comptable, vous aurez vos secrétaires, vous aurez vos tout. Voilà. Et si vous voyez par exemple le prix, par exemple, bon,
Imaginons que vous avez 10 ou 20 personnes qui travaillent avec vous, il faut imaginer le salaire que vous devez leur verser. Et puis, la lourdeur de la machine à gérer le personnel, tout ça, leurs problèmes, tout ça, vous n'avez plus rien. C'est comme de la magie. Maintenant, vous avez un laptop, un téléphone, et vous êtes installé en directeur, président, directeur, général de tout ça. Il y a seulement un contrôle. Et puis, dans le système IO, et c'est semblable, c'est similaire, il y a des automatisations. Et les automatisations, c'est que vous faites votre travail et vous en foutez du monde. C'est-à-dire, tout est pris en charge par cet outil-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a même quelqu'un qui me parlait tout à fait au début, par exemple, de ces outils-là, qu'il se clone. C'est-à-dire que, bon, il va faire son travail, mais il se clone. C'est-à-dire, il va faire de la comptabilité, il va faire ça, ceci, il va cela. À moindre proportion, c'est-à-dire il va plutôt s'occuper de la création de ses produits que de s'occuper de ses tâches vraiment qui ne valent pas vraiment qu'on s'en occupe. Ben, c'est de la magie, c'est clair et net. Voilà. Donc ça, c'est système B. Et système IO, tel que vous voyez sa configuration ici, bon, il y a un certain nombre de choses, c'est-à-dire que c'est un site où vous allez voir un menu. Je clique sur le menu, il y a un tableau de bord, c'est ce que vous voyez là. Et dans le menu de tableau de bord, vous avez tableau de bord affilié, vous avez les formations, vous avez ma marketplace, les sous-menus. OK. Puis vous avez en menu, vous avez les contacts et gérer les contacts. Et puis, en menu aussi, vous avez le tunnel de vente. On arrivera à tout ça. Bon, j'ai cliqué et ça m'a reconduit vers le tunnel de vente. Je reviens où j'étais. Donc, tunnel de vente, et il y a les emails. Les emails, c'est les newsletters, c'est les campagnes, c'est les statistiques des emails. Puis, il y a le blog. Le blog, bon, c'est un petit site, mais il est très opérationnel. Et puis, il y a les automatisations, c'est-à-dire que les règles des automatisations et les éditeurs de workflows. Donc ça c'est nouveau. Et les ventes. Bon, les ventes c'est les produits, bons de réduction, commandes, transactions, abonnements, quoi encore. Voilà, c'est long hein. Commandes, transactions, abonnements, factures affiliées, les formations, pack de formation, élèves et programme. Et puis il y a l'aide pour avoir bien entendu des c'est autre chose, c'est pour vous introduire sur des pages d'aide pour faire une recherche dans l'aide pour trouver des réponses à vos questions ou formation en ligne, donc les formations en ligne ou le coaching personnalisé, c'est vous transformer en professeur et vous faites du face-à-face avec des apprentis, et puis le formulaire de contact. Donc, je reviens là où j'étais. Je reviens, et puis, c'est la limite. On était à l'aide. OK? Donc, pour le moment, nous, on va nous occuper du tableau de bord. La leçon d'aujourd'hui, cette introduction finie, va s'intéresser surtout au tableau de bord. Au tableau de bord, il y a des nouveaux contacts, c'est-à-dire les nouveaux contacts que vous avez eus pendant une promotion que vous avez organisée.
multiplier, et puis il y a un pourcentage sur les nouveaux contacts en termes de pourcentage pendant les 30 derniers jours. Avec bien entendu ici des courbes et tout ça, et des jours, et par exemple ici c'est novembre, c'est tout novembre, pendant chaque jour. Ok. Puis il y a le paiement. Là j'ai tout vierge moi. Il y a le paiement. Le paiement, bon, est-ce que vous avez encaissé? Et c'est en pourcentage sur les 30 derniers jours. Encore des courbes, préparées sur le mois. Et là, c'est le mois, c'est le 5 novembre. Ici, c'est écrit 5 novembre ou 5 décembre, c'est le mois. Et là, c'est en direct. C'est en direct, c'est que toutes les informations pendant cette période, c'est cette période que vous avez reçues, quelle que soit leur nature, c'est très très différent, c'est toutes les informations. Moi, je pense que là, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire, on peut passer à autre chose sans être préoccupé par... c'est clair, ça, c'est tout à fait bon. Ok. Maintenant, nous allons passer en sous-menu du tableau de bord. Le sous-menu du tableau de bord, c'est le tableau de bord affilié. Donc, ça, le tableau de bord affilié. Voilà, on y est. Le tableau de bord affilié, les affiliés, ce sont les gens qui se sont engagés à promouvoir le produit d'un producteur et contre une commission que le producteur va leur verser. Je pense que c'est clair. Et automatiquement, bon, ça commence par les statistiques générales. Les statistiques générales, ça concerne votre identifiant affilié. Votre identifiant affilié, il y a un très long procession énorme de chiffres et de lettres qui vous identifie vous personnellement. Ok, ils vous disent que c'est votre identifiant affilié, mais il n'est pas complet. Ils donnent ici des explications, mais malheureusement, bon, moi j'ai pas compris bien la chose, mais comme je connais bien le terrain, je vais vous ramener à une explication beaucoup plus claire. Et qui se trouve ici un peu plus bas. Voilà, c'est moi personnellement, comme je me suis abonné à Systemio, ils me donnent, ils me disent votre lien affilié pour promouvoir Systemio. Donc, je suis abonné et je dois promouvoir Systemio contre ce lien qui m'identifie. Comme il est très long, il n'est pas très compréhensible, mais si vous regardez bien, c'est cette partie-là, il y a system.io/, et puis il y a un point d'interrogation et des trucs incompréhensibles. Alors, cette partie-là, c'est system.io, c'est l'affileur. C'est chez lui que je dois, c'est chez lui que je suis abonné pour faire ses promotions, pour me donner une commission. Et à partir du point d'interrogation jusqu'à la fin, c'est mon identifiant personnel. C'est-à-dire que System.io, à travers ce point d'interrogation jusqu'à la fin, il sait que c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Et moi, je sais que à partir du point d'interrogation jusqu'à la fin, je regarde ici, je sais que je travaille pour le System.io. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre, il n'y aura pas System.io, il y aura autre chose. Je pense que c'est très très clair maintenant. Ok, je reviens à mon point de départ. Donc là, je vous ai expliqué parfaitement ce que veut dire ce chiffre-là, très très long. Mais c'est un truc de gestion interne à System.io. Donc, on n'a pas à s'inquiéter là-dessus. Puis, il y a le contact
envoyé. C'est-à-dire que moi, bon, quand j'ai, ça fait quelques temps que je suis abonné, mais je n'ai pas beaucoup travaillé, j'ai fait quelques promotions. Je n'ai envoyé que 8 contacts sur System.io. Mais il s'avère que ces 8 contacts, ils sont seulement des touristes. Ils sont venus ici par curiosité pour voir ce qui se passe, qu'est-ce que je leur ai raconté. Et puis, bon, voilà, bon, ils sont repartis, total des commissions, zéro, parce que normalement, il fallait que j'aurais préparé une promotion beaucoup plus solide, comme ça, il y aura beaucoup plus de monde et beaucoup plus de commissions. Et je suppose que là, normalement, il doit y avoir peut-être des courbes pour voir le total des commissions, une liste, peut-être. C'est peut-être une liste de commissions, chaque commission à part, peut-être. Mais ça doit correspondre à ça. Ou bien, c'est un graphique, ou bien c'est une liste. Et puis, il y a le résumé des commissions. Donc, ils vont vous donner un résumé de vos commissions que vous avez gagnées. Et ça va concerner 3 périodes différentes. C'est aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, combien vous avez généré de commissions aujourd'hui, ou bien combien vous avez généré de commissions pendant les 7 derniers jours, ou bien combien vous avez généré de commissions pendant les 30 derniers jours. Je pense que c'est très très clair. Et à titre d'exemple, il vous donne un exemple sur ce que veut dire une commission. Hein. Donc là, sur cette ligne-là, System.io me dit, à moi personnellement, il me dit, faites la promotion de System.io et touchez 40% de commission à vie. J'explique, c'est-à-dire que System.io, ils vont ses abonnements. Ces abonnements sont à 3 niveaux. Il y a le prix d'essai, il y a peut-être 3 prix. Je pense qu'il y a 3 prix. Ça dépend de ce que chacun a pris pour avoir 40%. C'est-à-dire, je donne seulement un exemple. Par exemple, 100, 200, 300. Si votre prospect, le prospect que vous avez envoyé sur System.io a pris 100, bon, vous allez prendre 40%. Si c'est 200, c'est 80 et ainsi de suite. Vous comprenez. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à vie. Et System.io, ils ne vendent pas seulement les abonnements, ils vendent aussi beaucoup de formations. Et si vous prenez rien que tout ce que vend System.io, vous pouvez vraiment avoir beaucoup d'argent, gagner énormément de commissions, beaucoup d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, passons à je pense que nous avons un deuxième point ici qu'il faut qu'on développe avant de passer à autre chose. Alors, commission par vendeur. La commission par vendeur, c'est le nom du vendeur, c'est-à-dire que vous êtes affilié à un vendeur, que ce soit System.io ou quelqu'un d'autre. Bon, c'est le nom du vendeur. Le total des commissions, qui vont être le total de toutes les commissions que vous avez réalisées avec ce vendeur, et qu'est-ce qui vous a été payé, donc toujours concernant ce vendeur, et qu'est-ce qui reste en attente, parce qu'il y a quelque chose qui. Une opération qui n'est pas encore terminée, c'est la durée, c'est la durée de paiement qui n'est pas encore arrivée à expiration. Quelle somme vous attend que vous n'avez pas encore embauché. Vous avez compris. Donc, pour ça, il vous donne un petit tableau là. C'est tous les vendeurs. C'est-à-dire, si vous êtes affilié à une seule personne, vous n'aurez qu'une seule personne. De toute manière, vous aurez toujours System.io dans ce tableau. Si vous êtes affilié à plusieurs, vous aurez plusieurs. Donc, si j'ouvre, par exemple, là, System.io y est, et puis il y en a d'autres. Par exemple, moi j'avais
J'avais choisi comme ça pour la forme un certain nombre de formateurs, de vendeurs, les bas que j'ai enregistrés ici. Vous avez vu. Donc s'il y a par exemple plusieurs, beaucoup plus que ça, bon, ben, il s'agit seulement de saisir par exemple ici. Ici, je pense, voilà, il sort. OK? OK, d'accord. Alors, qu'est-ce qui commission? Bon, c'est expliqué, j'ai tout expliqué ici. J'ai tout expliqué ici. OK, maintenant, nous allons passer à autre chose. Vous voyez ici, ça, Marketplace, c'est un autre menu à part. Mais comme il est impliqué ici, c'est pour ça qu'on a placé ça ici directement parce que, par exemple, pour quelqu'un qui est pressé à venir ici, bon, c'est pas bon, il est dans son tableau, il regarde tout ça, et puis il va directement aller sur la marketplace. OK? Alors, après ça, il vous met quand même un avant-goût sur la marketplace qui est ici. Il vous met un avant-goût. Des offres de la marketplace. Il vous présente un certain nombre de formations qui sont disponibles à la vente, à la promotion. Okay? Donc rien que ça, vous êtes là-dedans, vous faites la promotion pour Systemio et pour tous les autres. Et ils sont très 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 nombreux parce que là, vous êtes une, deux, trois, quatre, cinq, six formations, mais il y a beaucoup de pages après. Vous allez découvrir sur la marketplace, c'est peut-être des milliers de formations qui sont là. Donc vous êtes là, vous pouvez peut-être ne plus ressortir. C'est pour ça que c'est un truc qui est tout en un. Donc tout est là, vous faites vos articles et tout ça ici, dans le blog, vous organisez vos emails, vous organisez tout, c'est-à-dire que vous êtes dans une société, imaginons c'est une société dans une île, dans un désert, complètement loin de tout les tracas de la vie. Et vous menez votre bateau comme ça à l'aise. OK? Voilà. Donc, je pense que, ouais, il y a autre chose que j'ai oublié. Alors, c'est les paiements. Les paiements, ici, les paiements, c'est tous les tags. Parce que les tags, c'est des trucs qu'on, normalement, il faut organiser son affaire à base de tags. Supposons que vous êtes sur un marché de chats et que vous avez peut-être trois formations que vous avez prises en main qui parlent de chats. Alors, dès que vous mettez par exemple les chats, vous aurez toutes les formations n'évoquent rien que les formations de chats. Ici, vous mettez le vendeur et puis le produit et la commission. Donc, vous êtes déjà très très serré dans votre choix. Alors ça peut concerner, c'est pas moi, beaucoup beaucoup de niches différentes. Ben, j'espère que j'ai pas raté quelque chose là-dedans. Et puis il y a les dates, c'est toujours le mois ou bien les 30 jours, le mois, ce mois-ci, c'est-à-dire si on est en novembre-décembre, on est en novembre-décembre du 5 au 5, du 5 au 5, ce mois-ci. Les 30 jours, les 30 derniers jours, c'est-à-dire les 30 derniers jours, les jours qui sont, bon, c'est-à-dire avant le 5, au-delà du 5, donc plus bas. Et le dernier mois, voilà, et les 3 mois, les 3 derniers mois, voilà. Donc voilà, donc moi j'ai rien du tout ici, je ne suis pas concerné pour le moment, mais j'y arriverai bien entendu. Et là, tous les tags
C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de tous les tags que vous avez. Dès que vous appuyez sur un tag, il vous sort les formations qui sont inscrites sous ce tag. Je ne sais pas, par exemple, guitare. Bon, si vous avez un tag guitare, vous appuyez là, vous allez trouver tous les tags. Et vous avez guitare, tac, et toute cette liste change pour ne vous montrer rien que les tags, que les guitares, les formations guitares. Et bon, bien entendu, ça c'est une période qui part du 28 juillet au 5 décembre, c'est beaucoup plus que 28 juillet, août, septembre, octobre, novembre. Voilà, c'est déjà 4 mois ici, puis il y a un choix, vous pouvez le classer par un jour, dernier jour, ce mois-ci, le mois dernier, trois derniers mois, etc. Voilà, je pense que ça a été clair, bien entendu, ça ne va pas être tout simple, il va y avoir peut-être certainement beaucoup de pages comme ça. Et là, c'est les factures. Donc, les factures, c'est pour ça, c'est date, statut. Normalement, moi, le statut, je parle de désignation et de montant. Les factures du mois, du 8 juillet au 5 décembre, bon, vous avez ici la liste des factures. Ben, je pense que cette partie-là est bien expliqué. Si vous avez par exemple n'importe quelle question sur la chose, moi, vous savez, moi je suis en train d'apprendre, il faut savoir, je suis en train d'apprendre, mais je vous implique dans mon apprentissage. Si vous voyez que je suis en train de dire des conneries, eh ben vous me dites comme ça, je vais apprendre aussi de vous, comme vous êtes en train d'apprendre de moi. Ok. Maintenant, nous avons vu le tableau de bord. Nous l'avons presque tout décortiqué. On va voir la suite. Menu. Tableau de bord. Affilié. Alors, nous allons aller aux mes formations. Mes formations, je clique. Et je vous montre ça, je suis à l'intérieur, dans le ventre, le cœur du système IO. Et ce que vous voyez là, c'est toutes les formations que j'ai achetées chez des formateurs. Bon, c'est Maxime, je suis client chez Maxime et Roman. Voilà, il y a 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Il y a 26 formations que j'ai achetées, rien que chez les formateurs qui sont logés chez System.io. Il faut voir qu'il y a une quinzaine d'autres formations que j'ai achetées qui sont ailleurs, nichées ailleurs. Ok? Voilà. Vous avez compris. Donc, voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont jamais acheté, à quoi ça ressemble quand on achète une formation. J'ai acheté chez Pierre Elliott Pinterest Empire, je le clique, je l'ouvre. Maintenant, je suis au cœur de la formation Pinterest Empire, c'est-à-dire que je suis chez Pierre Elliott. Et Pierre Elliott, il nous présente son truc, et Pinterest dit beaucoup de choses, ça c'est par exemple toute une vidéo. Et bon, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il me propose. Donc là, c'est long. Quand on va se passer, il parle d'Empire.
Donc, je vais vous montrer ça, mais je pense que vous allez ce qu'il dit va être zappé parce que je pense que j'ai pas activé mon truc là pour enregistrer l'ordinateur. Mon commentaire, vous l'entendez, mais je pense pas que vous entendez ce qu'il dit. Lui. Donc, bon, je vais ouvrir ça, avoir un super profil. Voilà, avoir un super profil. Alors, est-ce qu'il est, voilà, la vidéo. Et on clique dessus. Et ça commence. Voilà. Voilà. Je pense que vous n'entendez pas ce qu'il dit. Voilà, donc vous pouvez regarder tout ce qu'il développe là. Et si par exemple vous ne comprenez pas un petit truc là, vous pouvez revenir sur la leçon et ainsi de suite jusqu'à ce que vous aurez assimilé tout ce qu'il est en train de raconter. Voilà. Et bon, avoir un superbe profil, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a après avoir un super profil. Vous le faites, vous cliquez sur prochain, et c'est gagner des abonnés. Et il va, c'est une autre vidéo, il va parler de comment. Voilà. C'est dommage, j'ai oublié d'activer le micro intérieur de mon ordinateur. Et puis, vous pouvez aller sur le prochain, après gagner des abonnés, c'est unfollow plusieurs personnes en même temps. Unfollow, c'est-à-dire ne plus suivre des gens. Voilà, c'est la même chose. Ça, c'est à titre d'exemple. Hein. Je suis en train. Voilà. Voilà. Ici, après, il y a contenu perso ou repas. Donc voilà, je vous donne ici une idée de ce qu'une formation en ligne. Voilà. Donc on peut visualiser avec le petit doigt là sur la bande pour voir autre chose, pour repérer. Voilà. Et bon, quand c'est terminé, c'est terminé. Bon, ça c'est à titre d'exemple, hein, ok? Ça, c'est le marketplace, ok? C'est le marketplace. Je reviens à mon truc, là. Alors, où est-ce que j'étais? Mon tableau de bord. Je pense que je vais revenir à mon tableau de bord directement. Alors, tableau de bord affilié. Voilà. Je suis revenu à mon tableau de bord affilié. Je clique ici et je vais chercher aussi ce qui me reste. Pardon, c'est une information qu'on est en train de regarder. Et là, c'est la marketplace. La marketplace, bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, c'est la place du marché, là où il y a les vendeurs et il y a les acheteurs qui arrivent là-dessus pour acheter des formations et pour en profiter aussi pour faire de l'affiliation, c'est-à-dire faire de la promotion pour ce produit-là et générer des commissions. Ça peut être très intéressant si on s'y donne vraiment à fond. Je vous assure qu'on peut gagner largement sa vie avec ça. Donc, Marketplace. Allez, vas-y. Voilà, Marketplace. Alors, ici, c'est par filtre. Là, c'est par filtre. Alors, veuillez choisir une catégorie. Alors, vous choisissez une catégorie, est-ce que c'est service, est-ce que c'est logiciel, est-ce que c'est template, est-ce que c'est produit physique, produit d'information. Donc, produit d'information, c'est ce que vous êtes en train de regarder, c'est du furtif, c'est du virtuel.
Vos produits physiques, c'est ce qu'on appelle le drop shipping, c'est-à-dire que vous recevez des objets physiques réels. Et les services, c'est bon, quand il y a, par exemple, c'est pour moi du freelancing, du consulting, des trucs comme ça. Les logiciels, bien sûr, vous savez ce que c'est un logiciel, c'est pas Photoshop, Adobe Premiere, ainsi de suite. Et les templates, c'est la configuration de votre ce que vous êtes en train de concocter. Par exemple, vous avez vous faites une maquette, pour parler vraiment basique. Vous faites une maquette, c'est ça la template. Seulement, la template en jargon informatique, bon, il y a des photos qui bougent, il y a des titres, vous pouvez mettre tout comme vous voulez, c'est animé, c'est interactif, vous cliquez dessus sur un truc interactif, celui-là il n'est pas interactif, celui-là il est interactif. Vous voyez, là j'ai le curseur et là j'ai le doigt. Je clique dessus et je suis transporté, redirigé vers ça. Je quitte cette page, je suis dans ça. Donc, alors, ça c'est ça, et choisissez votre catégorie. Et là, cherchez par nom d'offre description. Alors, j'ai cherché par nom d'offre. C'est pas moi ici, c'était déjà prévu dessin, prise en charge, tunnel de vente, trafic. Tout ce jargon-là, normalement, vous devez le connaître petit à petit. Moi, je vais essayer de contribuer à ça en vous envoyant. Il faut que je constitue un lexique pour vous expliquer, pour essayer de mettre ça souligné pour que vous puissiez le consulter de temps en temps pour comprendre le sens des choses. Je vais essayer de le faire pour vous aider. Ok, comme ça, donc, pour dire qu'on n'est pas là pour rien. Donc vous cherchez tout ça. Donc voilà, je suis maintenant sur les offres de la marketplace. Mais il n'y a pas des gens avec des balances, avec des produits, avec des chats qui passent sur les tables et tout ça. Nous avons des listes. Ça, c'est une offre. Ça, c'est une offre. Et ainsi de suite. Et dans ça, vous avez combien? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, il y a 10 offres par page et il y a déjà ici prévu 100 pages. 100 pages, je pense qu'au-delà de 100 pages, on a encore, j'ai cliqué là, on a encore la suite. Je pense qu'on a encore la suite. Oh là là, c'est très long, c'est beaucoup plus que 10. Là, c'est... Oh là là! Oh, vous n'avez que l'embarras du choix, mes chers. Vraiment. Oh là là. Là, c'est... l'argent existe, hein. L'argent, il y a de l'argent. Il suffit seulement d'agir. C'est tout, hein. Peut-être qu'au début, ça va être un peu pénible, mais je vous assure, après, pas longtemps, surtout que c'est de l'affiliation. Quand on est dans l'affiliation, il y a des méthodes spécifiques qu'on peut appliquer sur toutes tous les produits. Bien entendu, il y a des trucs spécifiques à chaque produit, mais la démarche, je pense que, bon, une fois que vous avez appris déjà le processus, ça ne peut que marcher. L'aider à bien entendu avec System.io qui est là pour vous pour s'occuper de la gestion de tout votre tralala, je pense que vous allez être tranquille. Bien entendu, il n'y a pas que le System.io qui le possède, qui est un outil. Il y a d'autres outils
Moi, personnellement, j'ai choisi System.io pour commencer. Et puis, je vais aller sur un autre qui me paraît très bien, c'est Zapier. Zapier, c'est un logiciel qui a une autre tâche. C'est-à-dire que je fais, par exemple, ma formation, ma promotion. Je prépare ma promotion et je vais la placer sur toutes les plateformes. Alors, au lieu d'aller sur Facebook, aller sur YouTube, aller sur Instagram, aller sur LinkedIn, aller sur Twitter, je fais exprès parce que ça va vous prendre encore beaucoup plus de temps, hein. Aller sur énormément de toutes les plateformes. Avec Zapier, vous avez votre, bien sûr, avec votre promotion, votre vidéo, votre miniature, tout ce que on vous demande, votre argumentaire, vos tags, tout, bien entendu, vous le faites une fois, et devant vous, il y a un tableau où il y a toutes les plateformes que vous voyez, que vous croyez valables pour servir à cette promotion, parce que vous ne pouvez pas aller sur n'importe quoi. Vous savez que entre Facebook et YouTube, il y a une grande différence. C'est pour les gens qui se baladent, c'est Facebook. Vous voyez, les badauds, c'est Facebook. Les gens, ils sont là pour passer une pont, une flamme et tout ça. Les gens qui vont sur, c'est différent par rapport aux gens qui vont sur YouTube, qui cherchent quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui vont, par exemple, sur Amazon, c'est des gens qui veulent acheter. Donc, il y a une grande différence. Quand vous préparez, par exemple, votre promotion, il faut savoir vers où vous allez déposer cette promotion. OK? Donc, moi, j'ai commencé, comme j'ai dit, avec System.io. Je vais faire une petite conclusion très, très intéressante après. OK, tombe ici sur la marketplace. Et on va commencer par le début. Il n'y a rien à... Alors, cet œil, il sert à quoi? Tac. Je suis dans la formation. Voilà. OK. Je suis en train de découvrir avec vous. Hein. Il faut être très curieux. Il ne faut rien laisser passer. Alors, pourcentage de réussite, HubSpot. Alors, le service, il y a la commission de 30%, et puis il y a une date, la date d'aujourd'hui. Il y a une explication ici. Qu'est-ce que c'est? Vous allez gagner au moins 2,49€ par mois. Donc, c'est rien, mais une fois que c'est établi, donc 2,49€ par mois pour... Je vais pas, bon, il faut que je cherche quelque chose de plus alléchant. OK. Vous voyez comment on cherche. Alors, hop, 2,49€, ben, il faut aller vers quelque chose qui plaise quand même. Alors ça, c'est beaucoup un peu plus intéressant, vous allez gagner au moins 23,50€. Et ça, 70%. 70%. 25,90€. 33, ça monte, hein, ça monte. Vous allez gagner au moins, personne ne sait. Donc vous n'allez pas vous engager comme ça, c'est rien. Il y a un truc de... Voilà, on va prendre ça. C'est, vous allez gagner au moins, par vente, 51,60€. OK? Ça parle de pas surmonter une rupture amoureuse. C'est très spécial, comme 40% de commission, nouveau, c'est pack tout en un, surmonter une rupture, c'est un pack, surmonter une rupture amoureuse, avec la sophrologie, santé, bien-être, 40% de commission d'affiliation, la date d'aujourd'hui, oui, c'est la date d'aujourd'hui,
Les images pour promouvoir le parc sont proposées, une séquence mail est proposée, je veux dire la suite. Je vais lire la suite avant de venir ici et là. Je vais lire la suite. Voilà. Et là, c'est Mama Louis-Fi, c'est elle qui crée ce pack et qui le vend. Et elle vous donne un lien. Vous vous rappelez l'histoire du lien d'affiliation? Voilà. Ça, c'est ce qu'elle me propose à moi si je prends par exemple ses formations. Et là c'est rupture, ça c'est elle, sophrologue, et en plus système IO. Donc, ils sont tous les deux dans la fila, et moi, c'est cette partie-là, rupture, c'est la fila. Vous comprenez maintenant. Donc, c'est pour promouvoir la page. Moi, c'est un rappel. Finalement, la vie, finalement, pour les choses. Et là-dessus, là, c'est une photo. Et là, pour promouvoir. Alors, quand on veut promouvoir, normalement, ça, c'est mon truc affilié, ce que je viens de vous montrer, du savon. Et qu'est-ce que je vais faire? Je clique là-dessus, et je suis dans la page de vente. C'est sa page de vente à elle. C'est pas moi qui ai préparé ça. Moi, je vais faire la promotion, je vais essayer de faire du bruit autour de ça pour ramener les gens à cliquer sur mon lien d'affilié, et une fois que quelqu'un a cliqué sur mon lien d'affilié, il va être redirigé directement sur la page de vente de l'auteur, du vendeur. Là, il raconte un peu sa vie, ma méthode en 3 séances qu'il a fait, ses preuves. Et voilà, parfois c'est très très loin, c'est des arguments. Donc, vous savez, quand vous allez par exemple faire tomber sur un truc comme ça, vous allez recopier ça, vous allez copier ça, vous allez l'étudier, et puis vous allez en sortir un texte différent, parce que c'est pas bien de... c'est mal vu quand c'est... si vous reprenez textuellement le texte du vendeur. Il s'en aperçoit et vous êtes complètement viré, autant pour chez lui que chez SystemIO. Il faut faire très très gaffe. Et puis, d'une autre manière, c'est Google. Il y a Google et YouTube. Ils ont un dispositif dans leur algorithme qui, si vous placez par exemple ça, tel que tout de suite vous êtes repéré et vous êtes même recalé chez Google et chez YouTube. Donc il ne faut pas jouer avec le feu, ok? Il faut m'entendre, il faut m'écouter. Donc voilà, et vous inspirez, vous refaites vos syntaxes, ok? Vos phrases, vous les tournez autrement, c'est tout. Vous essayez de faire mieux, écoutez, voilà, tiens, c'est une très bonne, un très bon conseil ça. Les photos par contre vous pouvez les utiliser, hein, parce que c'est pas voilà. Et là il parle à l'acheteur, hein, carrément. Il lui montre le prix, la valeur du prix. Il y a des témoignages, il y a énormément de choses qui peuvent vous servir pour faire votre promotion. Et finalement, voilà la bonne femme qui parle de tout ça, qui est sophrologue. Et un petit mot sur moi, elle explique pour savoir à qui on a affaire. Et puis, quand le gars, le prospect arrive par exemple à des trucs comme ça, accéder à mon pack maintenant, on va
courir le risque. Et là, voilà, nom, prénom, email, adresse, ville, tiens, ils m'ont repéré comme je suis au Maroc. Voilà. Et puis, vous entrez, vous coordonnées, ça, de banque, tout ça, et elles vous vendent ça à 129, un tarif de 129 euros. Je ne sais pas combien elles vous réservent. C'est pour ça que oui, vous gagnez 500, vous gagnez 5, 50, 53 peut-être, si je me rappelle bien, 53 euros. C'est bien, bon, si vous faites, par exemple, c'est pas moi, vous faites trois une vente par jour, je pense que ça va, hein. Ça fait combien, ça fait 30, ça fait peut-être 1500, non, je sais pas, je suis venu là. Calcul. Voilà, c'est les 40%, voilà, je reviens, voilà, c'est 51,60, ben, je vais m'amuser à calculer quand même, si vous faites une vente par 51,60, c'est, je pense, fois 30, eh bien, ça fait bien du 1548, 1500, voilà. Et ça fait bien, je ne suis pas nul en calcul mental. Ok, donc vous avez à peu près tout compris sur la marketplace. Et la marketplace, bien entendu, les offres sont différentes. Hein. Les offres sont différentes, pourcentage réussite, trouver rapidement des chantiers même en temps de crise, offre best-seller, donnez-lui juste une chance, vous ne serez pas déçu, et ainsi de suite. Je passe par exemple, c'est pour moi, alors, je suis parti sur les 100 pages là, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, au niveau 5,3% de conversion, preuve à l'appui, le protocole EP, je sais, qu'est-ce que c'est. Il faut éviter ces trucs d'initial là. Il faut, quand vous avez à mettre quelque chose, il faut le mettre en toutes lettres. Parce que c'est, on zappe carrément l'information, on ne sait même pas de quoi il s'agit, jusqu'à 10 000 mois de versement en automatique, 60% de commission, offre, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il fait, les 60%? Eh bien, c'est 34, finalement, par vente. Ok, donc voilà. Voilà, je pense que on a fait le tour. Je reviens à mon tableau de bord pour faire le speech que je vous ai parlé. Alors, écoutez-moi très très bien. J'ai une très importante, vraiment, information à vous annoncer. C'est que moi, je me suis beaucoup bargaré avec cette histoire de devenir infopreneur, machin et tout ça, les emails, on est dans un, c'est pas moi, un océan démonté, voilà, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, si je suis sûr, je ne l'ai compris que quand j'ai mis le nez sérieusement dans le système U. J'ai préféré passer par un outil complet, c'est-à-dire celui-là, c'est un outil tout en un. Je fais tout ce que je veux, je ne suis pas obligé de sortir sur 1000 plateformes pour faire une chose. C'est le gros avantage de SystemIO. SystemIO, il est le moins cher, je pense, dans toute la place sur tous ces logiciels d'organisation, de gestion, de management et tout ça, qui nous aide à faire beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
si vous commencez par une, moi je vous conseille de commencer par acheter. Vous avez vu combien de formations j'ai? J'ai plus de, je ne sais pas moi, 35, ça fait beaucoup d'argent, 35 formations que j'ai achetées. Mais si vous êtes, si vous achetez une formation, vous allez bien entendu vous rôder à bien la maîtriser, ça ne va pas vous prendre du temps. Mais une fois que vous êtes arrivé, vous voulez la placer quelque part, eh bien, vous allez être confronté à des surprises monumentales, entre autres System.io, ClickFunnels, Zapier. Il faut repartir encore sur votre terrain pour que vous puissiez trouver le moyen le plus génial pour pouvoir arriver facilement et rapidement et vous gagner, pour gagner mieux votre vie. Vous voyez, c'est-à-dire que commencer par une formation ne vous sert pas à gagner du temps. Au contraire, ça va vous faire perdre du temps parce que vous allez être confronté à plusieurs trucs comme ça. C'est pas, il n'y a pas que System.io. Ils sont très très nombreux. Et chez, par exemple, ClickFunnels, machin et tout ça, ils ont par exemple ce qu'ils appellent il y a un truc pour qui est spécialisé rien que pour envoyer des emails et recevoir des capturer les emails des autres et puis c'est tout, ils s'arrêtent là. L'autorépondeur, voilà. Ils ont l'autorépondeur chez les autres, c'est à part. Mais chez System.io, il est intégré. Donc, vous êtes complètement enfermé là-dedans. Vous allez trouver tous les outils pour pour assurer votre commerce. OK. Le System.io est peut-être le moins cher de tout ce bazar-là. C'est un deuxième point. Et puis, le troisième point, comme on est en francophonie, moi je suis au Maroc, mais je suis francophone, donc je préfère parler aux francophones parce que j'ai une culture plus francophone que anglophone. J'ai essayé de travailler avec les anglophones, mais je ne suis pas très fort en anglais, mais ils sont terribles. Ils sont terribles, terribles, terribles. C'est vraiment, c'est à l'image du western, c'est un monde avec des gens qui ont deux flingues accrochées à leur ceinture et qui tirent sur tous les autres. Là, c'est, il faut faire très attention avec les Américains, ils sont pas du tout tendres, hein. Au moins avec les Français, ils sont gentils. Ils sont un peu gentils sur les bords. Ben, ils ont du temps à gagner encore pour arriver. Ils sont toujours en retard sur les Américains. C'est pour ça que les Américains sont audacieux, les gars. C'est, je les adore. Mais ils sont vraiment terribles. C'est comme ça, c'est l'esprit d'entreprise. C'est ça. Il faut vraiment être prêt. Costaud, très robuste, il faut aller taper sur les autres, recevoir des coups, et puis peu importe, pour gagner de l'argent, c'est comme ça que ça se passe. Avec les Français, bon, avec les francophones, si c'est mieux, les francophones. Donc, si j'ai tout ça, et si j'ai tous les ingrédients pour réussir tout ce que je veux, c'est-à-dire toutes les opérations, que ce soit affiliation, que ce soit produit physique, que ce soit logiciel, que ça, et que j'ai la base, c'est-à-dire la logistique, je la tiens, je la maîtrise, je maîtrise le System.io, et je crée des formations de toutes sortes, et ça va plus vite, parce que j'ai plus de surprises. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas vous lancer dans les formations, il faut vous lancer dans
les outils comme ça. Une fois que vous les avez domptés, c'est très facile pour arriver. Et puis vous faites tout, hein, tout. Vous pouvez ramasser énormément d'affiliations, énormément de. C'est pour ça que parfois vous rencontrez, je vais le nommer celui-là, c'est Jean Rivière. Jean Rivière, il vous fait une formation par semaine. C'est extraordinaire. Et ben, il a fait, je sais pas moi, plus de 400, 500 formations dans sa vie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire contre lui? Bon, lui, bien sûr, il est vieux dans le métier, il sait comment il est. Moi, je vous conseille de vous consacrer un outil comme ça. Il va vous faciliter la vie. Vous pouvez, à ce moment-là, je vous assure, vous pouvez faire des formations à chaque semaine. Voilà. Donc, ça, c'est mes conseils qui vont vraiment de mon cœur vers vous pour que vous ne perdiez pas votre temps. Sinon, vous allez le regretter, et le temps passe vite, le temps c'est l'argent, et voilà. Ok? Et bien entendu, je m'excuse, j'ai oublié un truc, c'est que dans le tableau de bord, bon, il y a tout ça, donc ça, non, je vais le laisser après. Par contre, ce point d'interrogation qui est présent partout, normalement, nous sommes dans le tableau de bord, il faut en parler. Vous cliquez dessus, vous mettez, par exemple, automatisation, je ne tape avec deux doigts seulement. Vous cherchez et vous trouvez beaucoup de réponses. Comment fonctionnent les règles d'automatisation? Comment automatiser l'envoi d'une série d'emails campagne? Comment envoyer un email automatique contenant un fichier après la vente, et ainsi de suite. Et comment intégrer une image dans le corps d'un email. Par exemple, vous recevez des emails et vous voyez une photo intégrée, vous ne savez pas comment. Donc, on va savoir. Vous cliquez, comment intégrer une image dans le corps. Bonjour. Sinon, vous aurez besoin de compte système.io. Je clique encore et je suis sur autre chose. C'est comme si je suis sur un autre site. Il y a autre chose, c'est les catégories, l'affiliation, le blog, les divers, envoi email. Bon, c'est voilà, envoi email, formation, site privé, gestion de contact, paiement, support client, tunnel de vente, éditeur de page. Voilà, vous avez, vous assure autre chose. Et là, ils vont vous expliquer tout ce que vous devez faire si votre image est hébergée dans un site hébergeur d'image, et ainsi de suite, toute la procédure, un truc didactique à suivre. Vous cliquez sur OK. Et ainsi de suite, c'est exactement ça. Donc, et si vous butez sur quelque chose à ce moment-là, vous voilà, l'exemple de la photo sur l'image, sur un email, voilà. Parfois c'est intéressant, c'est un fourre-tout là-dedans, tout en lien, ça mérite son nom. Donc voilà. Je pense que... Va-t'en. Voilà. Je pense que cette histoire vous a servi à quelque chose. Et que, vous savez, il y a plus d'une heure que je suis en train de vous expliquer ce qu'est un tableau de bord. Vous recherchez dans tout Internet, vous n'allez pas trouver ça. Ce qui veut dire que le fait de chercher soi-même,
c'est très important. C'est-à-dire qu'on est engagé à chercher par ses propres moyens, on n'attend pas les autres que les autres nous montrent. Donc, automatiquement, à chaque question qui nous bloque, on va chercher la réponse. Et avec le temps, ça va devenir vraiment très très fluide. Ça va aller comme sur des, ça va aller comme sur des roulettes, croyez-moi. Donc, l'histoire, j'ai pas terminé. L'histoire, dans ça, c'est que je suis en train d'apprendre par mes propres moyens. Si je bute sur quelque chose, je vais chercher des informations, puis je reviens pour comprendre encore davantage. Et puis, comme je filme ça pour vous, parce que je vous implique à suivre comment je fais, ça vous sert bien entendu à comprendre beaucoup de choses, mais ça me sert aussi à moi. Que bon, si je suis à côté de mes babouches quelque part, vous me dites dans vos commentaires, écoute, tu es en train de déconner, mec. Voilà. Donc, je fais des choses en même temps. J'apprends plusieurs choses. J'apprends, j'implique les autres, je leur montre comment je cherche et je fais des vidéos. La vidéo qui a duré plus d'une heure ici, rien que pour le tableau de bord, il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Le contenu est vraiment puissant. Et une fois que c'est terminé, je la place sur YouTube. Et puis, regardez ici le menu. Une fois je suis là, dans mes contacts, là, je vais faire une autre vidéo. Et puis, dans le tunnel de vente, je vais faire encore une autre vidéo. Exactement, de la même manière. Et puis, les emails, une autre vidéo. Et les blogs aussi, les automatisations aussi, et les ventes aussi, et les aides, bah, rien que ça. Écoutez, oh là là, c'est énorme. Ça, ben, je vais faire plusieurs vidéos, les ventes, les produits, machin. Je vais faire plusieurs. Donc, je suis en train de constituer, chemin faisant, je suis en train de constituer un patrimoine rien que sur System.io que personne n'a fait. Je suis en train d'apprendre, mais je suis en train de constituer un patrimoine, une super formation sur la System.io, ce qui va me servir à bien vendre, par exemple, System.io, tout le System.io, et puis ça va me permettre de rôder tous mes engrenages. Écoutez, les engrenages, regardez les engrenages, rôder mes engrenages là-dedans. Comme ça, je serai vraiment un spécialiste de System.io et tout sera franchement très facile pour moi. Et tout ce que j'ai constitué comme formation, c'est comme ce que vous avez vu dans les formations, quand je vous ai montré Pierre Elliott développer son Pinterest Empire. Je vais avoir un truc à moi, tout seul, à l'intérieur de System.io, et ça va constituer une formation que je peux vendre finalement. Parce que la personne, eh ben, je peux la vendre pas cher. Peut-être pour que les gens qui vont s'y mettre là-dedans, ils vont voir énormément de choses et peuvent l'alimenter, ajouter, ainsi de suite. Moi, j'ai rien à foutre que ça. Voilà. Et le truc le plus monstre, le plus fabuleux, c'est que avec cette méthode, je peux sortir déjà beaucoup plus professionnel que si je faisais, par exemple, si j'achetais, par exemple, des formations ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est très puissant. Moi, je pense que si ça vous emballe, cette histoire, je serai très très heureux. Je vous remercierai énormément que vous m'encouragiez, et puis je serai vraiment attentif à toutes les questions que vous me poserez, et ainsi de suite.
Donc voilà, je pense que mission terminée pour aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera les contacts. Et rebelote, je vais essayer de la faire le plus tôt possible. Ok? Merci les amis, et bien sûr, au revoir et à la prochaine vidéo. Bye bye.